Et bien salut à tous et à toutes, c'est Noxen. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, je vais vous présenter mon uniforme World War 2. Donc voilà, juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à partager. Voilà, ça ferait extrêmement plaisir. Donc les gars aussi, voilà, je fais une petite pub pour la chaîne de Warlord. Donc il a fait une petite vidéo sur sa chaîne aussi, présentation de son équipement il y a environ un mois. Donc n'hésitez pas à aller checker. Voilà. Du coup on va tout simplement commencer du coup. Voilà. Donc là tout l'équipement que vous voyez ici, enfin là mon uniforme complet, presque on va dire. C'est que de la reproduction à part la pelle ici qui est l'original. Donc voilà, juste si y en a, ils font de la remarque quoi. Donc déjà ici voilà, on a déjà la veste. Enfin du coup plutôt le blouson M941. Donc voilà, donc ma division c'est Big Red One, donc la première division. Donc voilà. Donc je l'ai acheté vraiment au vrai paratrooper. Voilà, Audi Day Experience. Donc elle est vraiment bien. Avec le Big Red One qui est au bon endroit. Ici. Donc voilà, donc on peut mettre les grades en dessous. Voilà. Donc moi pour ma part je pense que je vais faire officier. Mais bon, voilà. Donc ici, je dirais c'est c'est l'appel original, parce que je l'ai pas acheté celle-là, c'est mon beau-père qui qui l'avait, il me l'a donné. Donc c'est une pelle dépliante. Donc pelle US. Donc voilà. Donc déjà pour la veste et la pelle. Donc après les gars, on a tout simplement la chemise en laine moutarde. Donc voilà. Donc tout le monde l'a. Donc parachutiste, infanterie, vraiment tout le monde. Donc elle est vraiment bien, voilà, c'est, il n'y a pas de problème avec, vous la voyez, de toute façon vous savez comment aller. Donc voilà les gars, donc ici tout simplement mon casque d'infanterie, donc il m'a été offert par Overlord. Donc voilà, donc vraiment n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, il a fait une vidéo de présentation de son uniforme para, donc voilà, on a la 108e. Donc bientôt les gars, on va se faire un uniforme Pathfinder, donc, voilà. Donc ici le criquet les gars, voilà, donc je l'ai mis, mais normalement c'est plutôt, c'est les paras qui l'ont, mais je préférais quand même le mettre, voilà. Donc ici le austère, donc un peu patiné, donc voilà, c'est au soleil et tout, c'est plutôt bien. Donc là il est plutôt bien patiné, mais dans les photos des fois ça se voit pas trop, du coup je pense que je vais encore plus le patiner, voilà. Donc le petit austère. Voilà, donc voilà, je vous fais un petit point du comme ça les gars, voilà. Voilà, vous avez vu un peu. Donc là-bas les gars, voilà, on va aller avancer un peu. Donc là c'est des chaussures, mais normalement il faut des brodequins, du coup pour la tenue d'infanterie, mais j'en achèterai plus tard, parce que du coup là j'attaque la nouvelle tenue Pathfinder. C'est pour cela que je vous fais la vidéo. Donc là avec le pantalon HBT, voilà, qui est vraiment bien. Donc dans l'infanterie il n'y a pas beaucoup de personnes qui l'ont, du coup je pense que je prendrais peut-être un pantalon moutarde à 1937. Bon, du coup ça on reverra plus tard, voilà. Du coup le holster je vous l'ai présenté, donc il est, en vrai il est vraiment bien, hein. Voilà. Acheté sur Paratrooper, donc tout est acheté sur Paratrooper, mais après je ferai aussi des achats sur la petite musette du coup pour l'uniforme Pathfinder, mais on verra plus tard. Donc voilà, donc là les gars on passe tout simplement au broulage, donc vraiment l'uniforme, voilà, il est vraiment, enfin il y a quand même pas mal d'équipements, mais ça va être court, je pense, quand même. Mais il est vraiment bien. Donc ici, les gars, vous êtes tout simplement le porte-chargeur M1. Donc voilà. Donc, faut se dire que ce broulage-là, je le prendrai aussi pour battre une Pathfinder. Donc ça sera vraiment bien. Voilà, donc je la patinerai un peu aussi, du coup, mais vu que c'est la reproduction, voilà. On verra bien. Donc voilà pour le porte-chargeur M1. Voilà. Donc ici, la housse de car, donc de la gourde. Voilà, je vais tout simplement vous déballer tout ça. Voilà, j'ai fait une petite coupure, je voulais déballer. Voilà, donc vous avez tout simplement la gourde. Donc c'est une reproduction, donc les originales on peut pas mettre d'eau. Voilà, donc vu que c'est une reproduction, j'ai déjà bu dedans. Bon, ça a un goût, neuf, hein. Mais voilà, du coup à l'intérieur, voilà, vous avez ça pour manger des raviolis ou quoi. Enfin, vous pouvez manger un peu de tout, du coup. Ça, je vais le mettre de côté. Voilà. Donc là avec la petite caisse et tout, donc on peut faire des bons courts-métrages, mais bon, ça part en rapport avec la vidéo. Ouais, pour la housse de gourde et la car, voilà. Donc ici, la musette 1936, les gars.
Donc voilà, pour ma Twin Pathfinder, elle sera de très grande utilité. Donc elle est vraiment bien. Hein. Voilà, y a pas de... Elle est pas abîmée, elle a rien. Donc, par contre, il faudra vraiment la patiner. Oui, effectivement, ceux qui me font la remarque ou quoi pour le patinage, vous inquiétez pas, je pense que je vais encore beaucoup plus patiner. D'ailleurs, le pantalon, on l'a patiné, mais je pense que depuis, quand même, il est assez... Le pantalon HBT, il est quand même... ouais. D'ailleurs, il faudra que je le relave et tout. Mais bon, ok. Du coup, ici, les gars, voilà, j'ai eu des munitions. Donc, c'était pendant un spectacle, voilà. Donc, un spectacle souvenir mondial. Donc, il était vraiment bien. Ils nous ont offert des balles qui ont été tirées pendant le spectacle, donc à blanc. Donc ça va, en vrai, c'est pas mal. Bon, après, pour mon uniforme, quand j'achèterai une bandolière, je pense que ce que je ferai, c'est que bah, du coup, j'achèterai des balles à M1, vu que c'est un porte-chargeur M1 que j'ai ici. Mais bon, voilà. Bon, voilà, les gars, j'ai fait un petit topo du coup de l'équipement. Du coup, voilà, donc pour les chaussures, j'achèterai des brodequins. Mais ça, on verra, bah, je verrai plus tard. Donc ça fait un peu, mais voilà, c'est stylé en vrai. Voilà les gars, je vous ai fait un petit résumé de tout ce que j'avais. Et voilà. Voilà, je vous fais une petite vue. Et voilà. Donc, il manque des trucs pour, par exemple, une petite tenue d'officier, je prendrai pas d'avoir ça tout quoi, mais voilà. On aurait quand même un ceinturon. Et voilà. Donc les gars aussi n'hésitez pas à m'ajouter sur Insta, donc voilà, Inoxime le joueur, je vous le mettrai au pire dans la description. Donc voilà, donc les gars, c'était la fin des vidéos, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, donc voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Donc voilà, c'était une petite vidéo présentation de mon uniforme. Donc la prochaine fois je ferai mon équipement entier, enfin tout ce que j'ai. Donc voilà, vous voyez un peu tout ce que j'ai et tout. Donc j'ai vraiment aussi des tableaux et tout, voilà, genre qui parlent... De la Seconde Guerre mondiale 45, donc c'est vraiment bien. Voilà, donc pour le petit décor. Donc voilà les gars, bon allez, moi je vous laisse pour la vidéo. Allez, ciao.